jamais la crise du coronavirus a montré la grande nécessité des programmes Interreg. Et je suis certain qu'en sortant de cette crise, il faudra approfondir ces programmes en tenant compte de toutes les difficultés qu'on a rencontrées pendant cette crise. Cette crise a soulevé un certain nombre de problèmes pour les travailleurs transfrontaliers. Elle a soulevé des problèmes sur les solutions communes dans la prévention sanitaire. Interreg, cette coopération transfrontalière, c'est le partage d'un espace commun et c'est envisager un avenir commun des deux côtés de la frontière. Et pour la Réunion, Interreg a une signification toute particulière parce qu'elle prend une dimension qui est une dimension de coopération internationale, puisque nous pouvons, dans le cadre d'Interreg, coopérer avec les îles voisines, Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, les Comores, ainsi qu'avec une autre île européenne, Mayotte.